ingénieur en quoi? En sécurité, hein? Génie industriel. Mais tu t'es formé comment en caméra alors? Caméra. Les vidéos de surveillance que tu fais là? Non, là-bas c'est... Je suis bien surveillant. Quand tu es... Okay, quand tu passes dans la belle instrumentation. Tu comprends ça forcément? Ouais. C'est logique, c'est une surveillance. Traitement de signal, traitement de l'image et instrumentation. Donc voilà, nous sommes comme ça dimanche. Voilà. Nous sommes dimanche. Pour passer un petit temps en famille, tu peux passer ta commande. Voilà. Passez vos commandes. Nous sommes dimanche. Arrêtons de donner les boissons frelatées, les jus teintés. Voilà. Arrêtons de donner les produits chimiques à nos enfants. Voilà ce qui est bio, du naturel. Le jus de canne qui nous vient de nos plantations, derrière la maison, je n'ai pas. Derrière la maison, bien nettoyé, bien nettoyé, bien lavé, voilà. Et directement extrait. Et voilà son pur jus de canne. Voilà, du pur jus de canne. C'est bon, voilà. Tu es convaincu quoi? Mais au départ, tu es arrivé, tu ne connais pas ce que c'est. Non, il connaît. C'est pas aujourd'hui qu'il voit ça. C'est lui qui fait l'entretien des caméras vidéo de surveillance à la maison. Waouh. Voilà. C'est pas aujourd'hui qu'il écoute ça. Il est arrivé. Voilà. C'est un appareil que j'avais à la maison, mais je ne faisais pas le business avec. Il y a peut-être cela 5 ans. Ça depuis, j'ai vu l'appareil, ça fait peut-être 3 ans. Voilà. Ça fait 3 ans que moi j'ai vu l'appareil. Voilà. Le jus de canne, nous sommes dimanche en famille. Tu m'appelles juste sur mon numéro WhatsApp qui est là, en haut de l'écran. Voilà, tout juste en haut là. Ma page Facebook, c'est Mbanga Diaspora Officiel. Voilà, et sur ma page Facebook Mbanga Diaspora Officiel, tu peux absolument voir mon numéro WhatsApp, mon numéro de téléphone WhatsApp indonésien. Bah, c'est sur ça que je réponds, où que je me trouve, que ce soit en Afrique et ailleurs. Comme là, je suis au Cameroun. Mon numéro WhatsApp répond. Arrêtez de m'appeler sur mon numéro téléphonique. Pour moi, ce n'est pas facile que je prenne là-bas. Voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est important. Les temps sont durs, mais certains gens doivent appeler les gens au téléphone. Et souvent, vous vous rendez compte que ceux qui insistent, qui persistent, c'est les Ngememan qui n'ont pas l'argent. Mais c'est eux toujours qui veulent appeler les gens hors de WhatsApp. On ne comprend pas, mon frère. Hein? Je ne comprends pas. Donc voilà, appelle-moi au numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 124 125 autant pour moi, 244, 98. Tu as commencé ça quand? Tu as la tape même quoi? Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà. Et il y a le numéro Orange Money pour tous ceux qui veulent le produit, l'endurance. L'endurance pour tirer sur l'anga. Pour tous ceux qui veulent les mèches, les mèches. Comme je vous ai dit, je suis en contact avec un ami député singapourien qui est un ami que j'ai connu lors d'un colloque. Voilà, il a l'entreprise des mèches du côté de l'Indonésie. Voilà, si tu veux les mèches, si tu veux les produits amincissants, amaigrissants, n'hésite pas de me contacter à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244-98. Ok, Berika. Voilà. Et mon numéro Orange Money, si tu veux payer cash et qu'on vient te livrer, c'est le 6-96-94-102-42. Et ne m'appelez pas là-bas, vous m'appelez là, je ne prends pas. Voilà. C'est mon numéro Orange Money. 6-96-94-102-42.
Voilà, nous sommes dimanche. Voilà, et dimanche, c'est un jour comme le reste des jours. Voilà, chacun a son jour spécial. Ne confonds pas ta religion à la religion des autres. Ne confonds pas ta vie à la vie des autres. Voilà. La manière que tu vis là, ce n'est pas la même manière que moi je vis. Et la manière que moi je vis, ce n'est pas la manière que toi tu vis. Oui, allô? Ouais, je suis à côté là. Viens, viens tout droit. Tu es sur quoi? À Santa Lucia, mais viens, viens, viens sur le goudron. Viens sur le goudron là. Demande le même mot, non? Demande le même mot. Demande le même nom. Donc voilà, c'est un super fan. Mais comment? Oui, allô? Oh! Voilà un super fan qui vient me faire la recette, voilà. Comment non? Donc voilà le jus de canne. Le jus de canne à sucre. Comment non, maman? La santé. Banga, hein? Ah oui, ça dit quoi? Ah oui. Et comment? Il y a les t-shirts, il faut acheter les t-shirts. Ah bon? Et comment, chef? Il y a les t-shirts, il y a les casquettes même. Voilà. Faites la recette, faites la recette. Le jus de canne. Nous sommes dimanche. C'est mieux de passer ta commande, vient de livrer chez toi. Tu dégustes à tes enfants. Africains, apprenant à être curieux. C'est ce qui tue les Africains, c'est ça qui nous tue. Regardez l'homme occidental, regardez l'homme asiatique. N'importe où il va, il n'a pas peur des pistes. Il cherche à découvrir. Il est curieux. Mais vous allez voir les Camerounais, si on ne laisse pas la peau là, il ne s'arrête pas. Le Camerounais francophone n'est pas curieux. Il y a les gens qui découvrent peut-être après un an, deux ans, trois ans. Et c'est comme ça que comme tu n'es pas curieux là, tu vas même sauter, ton bonnet va te traverser. La curiosité change la vie de plusieurs personnes. Voilà. La curiosité change la vie de plusieurs personnes. Apprenons à être curieux. Voyons des choses, arrêtons-nous. Voilà. Tu n'aimes pas le serpent, mais si on voit si tu vois le serpent quelque part, on a braisé, on a cuit, goûte aussi. Il y a les mal dont nous souffrons. Les petites choses que nous négligeons, que nous traversons au quotidien, dans notre vie, que si nous les dégustons, ça peut nous sauver. Il y a les choses que tu traverses chaque jour, ça peut sauver ta vie. Et c'est ça qui nous tue en Afrique. Nous sommes champions pour saluer tout le monde en route. Bonjour. Ceux que tu ne salues pas, tu dis bonjour. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, quand ils traversent, ils vont dans d'autres continents, ils ont des problèmes. Quelqu'un ne te salue pas, tu le salues. Tu ne connais pas quand tu le salues. Mon frère, on ne salue pas tout le monde. Mais on est curieux de voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et c'est ça qui nous tue. Regardez les Européens, regardez les Asiatiques, ils sont curieux. Et c'est la curiosité qui a fait ce qu'ils découvrent le monde. C'est la curiosité qui a fait ce qu'ils découvrent nos secrets, nos faiblesses. Et ils nous ont bien eu. Ils ont tenu les commandes, nous on tenait les ficelles. Mais comment aujourd'hui, nous qui avons colonisé le monde entier, même chez eux, ils emploient le mot pharaonique. Les travaux pharaoniques. Les travaux pharaoniques, ça veut dire que ça vient de chez nous. Un chantier pharaonique. Ça vient de chez nous, ce mot-là. Le pharaon, c'est notre ancêtre. C'est un noir, c'est un africain. Mais comment il se fait-il que ceux qui nous ont trichés finissent par nous dépasser? Comment? C'est parce qu'ils ont été curieux. Donc, africains, apprenons à être curieux, les gars.
Ne dis pas que le jus de canne c'est quoi, nanani, nanana. Quand tu vois quelque chose, il faut déguster. Surtout quand c'est naturel, surtout quand c'est pur. Déguster. Tiens, lui. Hé. Il a couru pour aller prendre un jus. Il est sorti depuis le matin. C'est à côté là. Non, on va faire un peu de téléphone là-bas. Je pas ça. Non, on va faire un téléphone là-bas. Ah bon? Ouais, man. En fait, je suis dans WhatsApp. C'est WhatsApp qui me garde en vie. Voilà, je suis à WhatsApp.